Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le serment de grand Biram de sacrifice. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Immense louange à Allah et gloire à Allah matin ou soir. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. L'unique sans aucun associé est que notre maître Mohammed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, les fêtes sont des occasions de bien et de bénédiction, au cours desquelles les âmes se réjouissent, le cœur sont joyeux, les visages se rencontrent et le corps se ravissent de vrai bonheur et de ce rire pur. C'est bien la grâce d'Allah, gloire à lui, où il dit, de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi il se devrait se réjouir, ce bien mieux que tout ce qu'il amasse. Lorsque le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, arriva à Médine, il trouva que les Médinois célébraient deux jours de l'époque péri-islamique. Il leur dit, Allah vous en alterna deux jours, le biram de rupture du jeûne et de celui de sacrifice. Le jour béni du sacrifice est l'un des jours célèbres d'Allah. Notre prophète dit, le plus grand jour auprès d'Allah est celui du sacrifice, puis celui du séjour, Amina, le lendemain du sacrifice. Dans ce jour de sacrifice se montrent les aspects de joie et de bonheur. Les pèlerins à la maison d'Allah se réjouissent d'avoir accompli leur rituel après les bienfaits qu'Allah leur accorde de faire sur que m'ambulation autour du Kaaba. Le parcours entre les deux monticules de Safa et Marwa et le stationnement sur le mont d'Arafat où il s'expose aux bénédictions et miséricordes. Ils se réjouissent également, et tous les musulmans dans les quatre coins du mont, d'avoir abattu les sacrifices pour se rapprocher d'Allah, gloire à lui, et apporter le bonheur aux pauvres. Chaque fois que revient le grand Biram du sacrifice, nous évoquons le récit d'Ibrahim, le favori, salut sur lui, avec son fils Ismaïl, salut sur lui, où se manifeste le bleu ou degré de sacrifice, de la vraie soumission et de la division à l'ordre d'Allah. Gloire à lui. Allah, gloire à lui, gratifia à son prophète Ulu Ibrahim, salut sur lui, le fils après une longue attente, lorsque l'enfant atteint l'âge de maturité, la grande preuve a eu lieu où Allah ordonna à Ibrahim de gourcer son vice. Allah, gloire à lui, dit, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ouf, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit, ô mon cher père, fais ce qui tu es commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Puis les donations d'Allah vinrent successivement après que le Père et le Fils se soumirent à l'ordre d'Allah, Seigneur de l'univers, le rachat vint de la part d'Allah, gloire à lui, qui dit, puis quand tout d'où se furent soumis à l'ordre d'Allah et qui le jetait sur le front. Voilà nous la pilam, Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était la certes les brèves manifestes. Et nous le rend son âme digne
immolation généreuse. Par là, la tradition de sacrifice itine, commémoration de souvenir d'Ibrahim, Ulu et son fils, salue sur eux pour réaliser les sublimes et les nobles valeurs. En l'occurrence, élargir les dépenses en faveur des familles, concrétiser la solidarité et l'entre-climence entre tous les membres de la société et faire des charités au profit du pauvre. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sacrifia de gros moutons à grandes cornes et dit « Faites des sacrifices, si bien la tradition de votre patriarche Ibrahim, parlant de la vertu du sacrifice, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « L'être humain ne fait une œuvre que le pire, le jour de sacrifice plus aimé auprès d'Allah que diffuser le son de pète que viendront le dernier jour avec leurs cornes, poils et ongles. Le son est reçu par Allah avant de tomber par terre. Faites donc le sacrifice de bonne volonté. » Interrogé au sujet de sacrifice, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « C'est la tradition de votre patriarche, Ibrahim, en interrogea, quoi profitons-en nous ?» Le prophète de répondre, « Vous avez une bonne action partout, poils, en réinterrogé tous les poils ?» Le prophète de répondre, « Oui, certainement. » Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que les saluts et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier du prophète et messager, notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa famille, à tous ses compagnons. Comme il est bien de faire du rituel du sacrifice une preuve sur la grandeur de l'islam et l'un des aspects de sa civilité et de sa civilisation, il faut éviter d'abattre au lieu public, aux entrées du bâtiment, aux maisons, aux heureux, ce qui ferait nuisance et préjudice aux gens, alors que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Il n'y a pas de préjudice, point de tort ». Nous affirmons que le jour de Pyram est une occasion pour renforcer les relations sociales, rencontrer, observer les liens de parenté et répandre l'amour et l'affection parmi les humains. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque aime qu'on lui accorde une longue vie, élargisse la subsistance, qu'il se prie, munisse envers Allah et observe les liens de parenté. » Dans le hadith divin, Allah, gloire à lui, dit « Je suis le miséricordieux, Ar-Rahman, je kiria Ar-Rahim, la parenté, et lui dériva un nom du mien, quiconque observe le lien, je lui accorde ma miséricorde, et quiconque en rend le lien, je lui priva ma miséricorde. Ô Allah, préserve notre pays l'Égypte et tous les pays du monde. Bonne année, wassalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته.